Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avons visité l'entreprise Arturia, et je vous ai dit que c'était quelque chose de délicat parce que je ne pouvais pas filmer tout le matériel. Dans cette vidéo, je crois avoir trouvé un sujet encore plus délicat, c'est de filmer mon propre matériel que j'utilise pour mixer comme un pro. Alors je sais que parler de matériel pour le mixage, ça fait un peu débat en fonction des ingénieurs du son, parce que chacun a son avis sur tel ou tel matériel, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'utilise et comment j'approche un mix pour mixer mes propres morceaux et mixer le morceau de mes clients. Donc le matériel que j'utilise et que je vais vous présenter dans quelques instants n'est pas parfait, mais je pense que c'est un bon point de départ pour les personnes qui veulent débuter et ceux qui veulent s'équiper par exemple pour les fêtes de fin d'année pour du bon matériel de mixage et surtout pas trop cher. Donc restez bien même jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une astuce pour justement limiter les coûts et avoir un mix correct. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas payé pour vous montrer le matériel que je vais vous présenter dans cette vidéo. La majorité certes m'ont été envoyés par les entreprises, mais je vais rester objectif et surtout vous montrer comment je les utilise dans mes propres mix. Allez, c'est parti! Alors dans un premier temps, quand je souhaite mixer, j'aime bien me dire que je mixe pour les personnes qui vont écouter la musique. Généralement le public de l'artiste, la personne dans son salon, dans la voiture, à la salle de sport, bref, en tant que consommateur. Il faut bien garder à l'esprit que 99% du temps, votre mix ne sera pas écouté dans les conditions dans lesquelles vous avez mixé. Vous allez mixer dans votre studio, home studio, mais le consommateur n'a pas forcément un home studio chez lui. Donc il faut bien garder ça en tête. De ce fait, je vous conseille de commencer à mixer sur du matériel que la majorité des consommateurs possèdent. Dans le livre assez populaire Your Mix Sucks, l'auteur et l'ingénieur du son Marc Mozart conseille d'utiliser une enceinte de cuisine avec un seul haut-parleur, donc écouter notre mix en mono, afin de se mettre dans la peau du consommateur et avoir déjà un aperçu de ce qu'il va entendre. Appelons cette situation le pire cas possible. Maintenant, vous l'avez peut-être remarqué dans certains studios professionnels, on retrouve cette fameuse enceinte en mono, celle qui représenterait le pire cas possible, et ça a même donné le nom d'une marque et celle d'une enceinte, c'est la Auratone. Pour la petite anecdote, son nom découle de Horror Tone, ça veut dire le son dégueulasse, le son horrible, et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Auratone. L'utilité de cette enceinte n'est pas d'avoir le meilleur son possible, mais de mettre justement en relief le son de notre mix en mono et avoir un aperçu de ce que peut écouter nos auditeurs au long de la journée, par exemple dans un magasin, etc., avec leurs différents dispositifs d'écoute. De mon côté, j'utilise la fameuse JBL Flip 3, donc c'est une enceinte mono Bluetooth, donc moi je la branche en jack pour pas avoir de délai, mais c'est une enceinte Bluetooth mono et qui permet d'avoir un bon premier rendu de notre mix sur une enceinte. Donc moi je commence par ça parce que ça permet de répondre aux besoins qu'on vient d'évoquer, et il faut juste faire attention quand on utilise ce type d'enceinte de ne pas mettre le son trop fort et aussi de changer les réglages de l'enceinte, c'est-à-dire le petit EQ interne qui permet de booster telle ou telle fréquence, notamment les basses fréquences parce qu'on est bien que des fois ça tape un peu plus. Bref, quand je mixe, j'aime bien travailler dans un premier temps avec ce type d'enceinte car ça permet de faire le gros du travail tout de suite, et après on va pouvoir aller chercher les petits ajustements avec des enceintes un peu plus grosses comme les Adam Audio T8V. Alors l'avantage d'utiliser des enceintes de champ proche comme mes Adam Audio T8V, eh bien c'est qu'on peut avoir un peu plus de détails quand même que cette fameuse JBL Flip 3. Autre avantage de ces enceintes, c'est qu'elles renvoient un son bien plus détaillé et bien plus précis sur toute la bande de fréquence et surtout de manière naturelle. Bien évidemment, quand je passe sur mes enceintes de monitoring, j'ai cette fois-ci un son stéréo. Et il est bien plus simple dans cette configuration d'estimer la panoramique de notre mix et aussi la profondeur des différents éléments en jouant et en paramétrant bien sa réverb. Je vous renvoie à mon tuto juste ici. Je dirais donc que dans ma manière de mixer, j'utilise un tiers du temps ma JBL Flip 3, un tiers du temps mes enceintes de monitoring, et j'hésite pas de temps en temps à switcher de l'un à l'autre pour vérifier s'il n'y a pas de problème entre le mono et la stéréo, et surtout j'utilise toujours une track de référence, un morceau qui correspond à ce que je suis en train de mixer, qui pour moi sonne bien, aussi bien sur mes enceintes que sur ma JBL. Donc l'avantage de pouvoir switcher de l'un à l'autre, c'est de vérifier déjà que tout sonne bien, et comme l'auditeur va écouter la majorité du temps sur une enceinte comme celle-ci, si ça, ça sonne bien, et que ça, ça sonne bien, déjà on est plutôt correct. Maintenant on peut passer au dernier tiers, et c'est les casques. Alors la première raison pour laquelle j'utilise un casque pour mixer, c'est que la pièce dans laquelle je me trouve, elle n'est pas très bien traitée acoustiquement. Alors avec un casque, c'est sûr, cette fois-ci la question ne se pose même plus, parce que le son est directement envoyé dans nos oreilles. Revers de la médaille, quand on utilise un casque, on perd ce fameux crossfeed qu'on avait avec nos enceintes. Vous vous en souvenez, le crossfeed, j'en avais parlé dans cette vidéo, c'est le fait que quand on utilise des enceintes de monitoring, on ait un peu de son de l'enceinte droite qui arrive dans notre oreille gauche, et un peu de son de l'enceinte gauche qui arrive dans notre oreille droite. Et c'est cet effet principal qui va différencier l'écoute d'un mix dans un casque et dans des enceintes. Vous l'avez compris, si vous ne possédez pas d'enceinte ni de pièces traitées acoustiquement, ce n'est pas grave, un bon casque peut largement faire l'affaire,
parce que ça va supprimer justement toutes ces contraintes d'isolation acoustique et surtout le prix des enceintes qui est bien plus élevé qu'un bon casque. Deuxième avantage du casque, c'est qu'il est très utile pour couper les sons environnants. Par exemple, le ventilateur de votre ordinateur, le bruit des oiseaux, les gens qui passent, bref, ça permet de vous isoler, de vous mettre dans une bulle et aller chercher tous les petits détails dans votre musique. Par exemple, aller chercher des fréquences que vous avez mal entendues avec vos enceintes. Bien sûr, pour faire ça, il vous faut un casque neutre et qui ferme bien. Moi, depuis pas mal d'années, j'utilise le DT770 Pro. J'ai fait une review il y a quelques temps sur la chaîne et il est vraiment cool et il est pas trop cher et super confortable. Mais j'aime bien aussi son concurrent, c'est le III TMA2. Donc c'est un casque fermé toujours avec des grosses bonnettes en Alcantara qui sont hyper confortables. Il est plus léger, peut-être un peu plus esthétique que le Beyer Dynamics, un peu plus cher aussi, mais sa réponse en fréquence est très neutre et il est très intéressant justement déjà pour faire des prises de son et aussi pour mixer et aller chercher les petits détails. N'hésitez pas à taper son nom sur internet, le TMA2, parce que c'est un très bon concurrent à ce fameux best-seller. Voilà. Maintenant, comme le dit le dicton, jamais 203, j'utilise un troisième casque pour vérifier mon mix à l'étape finale et même pour le mastering. C'est un casque cette fois-ci qui est ouvert, donc il laisse le son extérieur passer. Et notre mix à travers un casque ouvert sonne bien plus aéré. Et moi, j'utilise le Sennheiser HD 400 Pro qui est sorti très récemment, il y a moins d'un mois, et qui est super justement pour faire cette dernière vérification au casque. De plus, ce dernier casque de chez Sennheiser est parfaitement adapté au logiciel Dear VR, qui est un logiciel de simulation de crossfeed. Vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, vous étiez nombreux à me demander un bon logiciel pour le crossfeed. Et ben, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que Dear VR est un bon logiciel pour le crossfeed. Ça permet justement de simuler ce petit décalage qu'on a avec justement des vraies enceintes directement dans votre casque. Donc l'intérêt de Dear VR, c'est que vous pouvez simuler plusieurs pièces et avoir l'impression que quand vous écoutez votre mix avec ce casque et le logiciel Dear VR, vous pouvez vous positionner dans différents studios, différentes ambiances et du coup comparer votre mix dans différentes situations. Donc ça c'est très très cool, donc je vous conseille Dear VR et il y a une version gratuite d'ailleurs, vous pouvez tester par vous-même à partir de maintenant. Voilà les artistes, je pense qu'on a fait le tour du matériel outil que j'utilise pour mixer. Tout le matériel énoncé dans cette vidéo sont dans la description. Et si jamais tu as des pistes d'amélioration pour améliorer mon mixage, mon workflow, mes vidéos, l'espace commentaire est à toi. D'ici là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy, salut.